Hey, coucou à tous, salut, c'est Cracotte, content de vous retrouver aujourd'hui sur la Nintendo Switch, sur Super Mario Bros. Wonder, sur la sortie officielle. On va le découvrir en même temps que vous aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je l'attendais ce jeu, j'espère qu'en tout cas il est super bien. Allez, on est parti, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, mais on va jouer tout simplement tout seul pour le découvrir. Alors, on va prendre quoi? Toad bleu, Toad jaune, ou plutôt Mario. On va plutôt prendre Mario pour sur la découverte. Alors, en ce moment, je fais le let's play de Spider-Man 2 sur la chaîne YouTube, mais s'il y a pas mal de demandes pour ce jeu sur la Switch, je ferai aussi un let's play plus tard dans les semaines à venir sur Super Mario Bros. Wonder, si le contenu vous intéresse bien sûr sur Super Mario Wonder. En tout cas, il est vraiment très beau, hein, franchement. Bienvenue au royaume des fleurs, une contrée proche du royaume champignon. Invité par le prince Florian, Mario et ses amis s'y rendent pour la toute première fois. Il est vraiment très chouette. Vraiment très chouette. Bonjour. Vraiment très très chouette. On va essayer de récupérer toutes les pièces. Ok, bon, on va essayer de s'amuser. Hein. On va essayer. Alors, c'était le roi Bossworn, n'est-ce pas? Comment ose-t-il voler notre fleur protige et notre beau château? Et dire qu'il a fusionné avec notre château des fleurs pour devenir cette horrible chose? On peut pas le laisser s'en tirer comme ça, c'est tout le royaume qui est en danger et on ne fait rien. Ouais, on va l'aider. Mario va vraiment t'aider. En tout cas, ce qui est génial, c'est qu'on peut jouer vraiment jusqu'à 4 joueurs. Et ça, franchement, c'est super cool. Ok, il va nous servir de guide. Avec les Yoshi qui arrivent, l'ambiance magistrale. On compte tous sur toi. Avec la voix. On compte tous sur toi. Allez, sauvegarde en cours. Alors, pleine des tuyaux. Sympa aussi, hein, le monde de cartes, là. Donc là, on est parti, premier pas au royaume des fleurs. Difficulté, une étoile. Oh, c'est parti! Alors, si je maintiens le B plus enfoncé, du coup, je sais plus où. D'accord, ok. C'est parti! Et c'est parti! On revient, c'est vrai qu'il y a la source de Mario. Hein. Des anciens Super Mario Bros. C'était vraiment génial. Faudrait peut-être que je monte là-haut, là.
Oh, je suis venu un éléphant. Ok, ça c'est pareil, c'est l'éléphant aussi. Oh. Il y a forcément peut-être un tuyau où on peut rentrer dedans. Ah non, il fallait sauter sur la fleur. Ah d'accord, c'est un passage où il faut aller vraiment très vite peut-être. Ah, j'ai pas tout récupéré. Non, c'est pas ça. Non, rien à voir en fait. Oh, j'aurais pu prendre son temps. D'accord. Non, j'aurais pu prendre mon temps. Est-ce qu'il est bien pour faire les le saut comme ça là au sol, il suffit juste de sauter et appuyer le joystick vers le bas et du coup Mario bah, il saute directement comme ça là au sol. Franchement c'est trop bien. Stage terminé. Yeah. Youpi, les graines protiges vont nous être très utiles. Allons en obtenir d'autres. Ah oui. Alors, le parade piranhas. Difficulté, une étoile. Ça va. Franchement, hein. Super chouette, les graphismes et tout. Oh, une fleur. Oh, on s'est mis en mode fleur. Alors, ça faisait tellement longtemps sur un jeu de Switch que j'ai pas kiffé. Parce que, en général, je joue pas beaucoup à la Nintendo Switch. Hein. Je fais des découvertes de temps en temps quand je peux, bien sûr, mais... en général, je joue très peu à la Switch. Parce que les jeux m'intéressent pas forcément, de base. Malgré que je vous ai fait Pikachu la dernière fois, détective. Mais en tout cas, c'est pas des jeux qui m'attirent réellement. Alors celui-ci par contre, le Super Mario Bros. Wonder, franchement je le trouve vraiment excellent. Vraiment très très bon. Je suis vraiment étonné du jeu là. Malgré qu'on est qu'au début, hein. J'aime déjà. On voit l'ambiance et tout, on voit le travail derrière qu'ils ont fait. C'est vraiment excellent. Ah, je pouvais pas sauter dessus. D'accord. Pourquoi je saute dessus? Oh bon, ça c'était pas si compliqué que ça, mais moi je saute carrément sur la plante. On voit pas ça tous les jours. Et on est parti pour la suite. Attrape Carapate. Oh yeah.
la musique. Je vais essayer de récupérer le 10 là. On a récupéré un champignon. Mieux que rien. Oh, un truc gratuit. Excellent. Attrape carapate. Notre ennemi, il est pas très content. Oh oh oh, voilà qui me plaît. Je fais plus qu'un avec le château des fleurs et toute cette puissance prodigieuse. Mes forces, je les sens décuplées. Je vais mettre le monde à genoux. Ouais, pas sympa, hein. Ah ouais, carrément. Nous devons trouver un moyen de l'atteindre. Bah, je pense qu'avec là, là, on a un truc là pour le rejoindre. Une fleur hélico. Ok. Mon papounet s'est transformé en forteresse. Il est tellement balèze comme ça que plus personne ne pourra l'arrêter. Cette pierre en pierre, regarde comme cette plante s'est enroulée autour de cette maison. J'ai une idée, on n'a qu'utiliser nos graines. Prodige. Il paraît qu'ils vont venir à bout de la plante. Elles sont très puissantes après tout. De toute façon, on a un 5. Donc là, logiquement, ça devrait marcher. Le pavillon à badge de la plaine des tuyaux. On va bien? Ah, j'ai si peur que j'ai cru que j'allais perdre les pédales. Mais j'ai pu garder ce précieux badge à l'abri. Les badges sont des objets aux effets variés, donc on peut s'équiper. Pour ceux qui voyagent dans le royaume des fleurs aiment beaucoup les utiliser. Ok, donc là on va dire qu'on a un badge à l'intérieur du coffre. Ah, c'est plutôt le prince Florian qui a un badge. Il a eu un truc sur la tête. Oh, mais c'est génial! Pour tout avouer, j'ai toujours rêvé d'en mettre un. Je pourrais sûrement me rendre utile grâce au pouvoir de ce badge. Alors vraiment, merci. Pas de quoi, en acceptant ce badge, c'est moi que vous faites une fleur. Prince Florian. Les badges vont vous faciliter la vie, et n'hésitez pas à vous en servir. Thank you. De toute façon, je suis avec la fleur, donc... Enfin, quand je dis je suis avec la fleur, je suis avec le prince Florian. Par ici. J'aime bien la fleur. Par ici! J'aime bien parce qu'en plus, il y a vraiment le dialogue en français et tout. Franchement, je trouve que ils ont vraiment fait quelque chose vraiment de terrible, Nintendo. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ils ont fait vraiment un truc vraiment très badass que j'accroche énormément, ce Mario-là. Je le trouve énorme, même si on n'a pas fait beaucoup de niveaux, je peux que vous le conseiller.
En tout cas, bah, pour les personnes qui aiment bien Super Mario Bros. En général, je pense que vous allez forcément aimer. Dans les airs, maintenez R ou secouez la manette. Oh, je préfère appuyer sur le R, moi. Ah, yes, on peut faire ça maintenant. Génial. Appuie sur R. Eh oui, j'ai compris. Oh, par contre, les pièces, t'aurais pu me les donner avant. Hein. Faut que je refasse. Ben oui, on essaye de s'amuser, en tout cas. On essaye de s'amuser. Alors regarde un peu cet endroit des grands espaces du vent. Ah, il y a pas mal de niveaux là. Et une autre de ces maudites plantes. Alors on commence pour aller où? Alors le prince Florian, si tu veux consulter la carte, appuie sur le L. Alors le L. Ça doit être ça, oui. Donc là, soit on peut aller là. Soit on va là. Pour court. Ouais. Court-court, yes. Ah, c'est sympa, court-court. Et on peut utiliser... Ah, on a utilisé notre badge. On va avoir vraiment pas mal de badges. Hein. Vous voyez que les points d'interrogation, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc ça va être vraiment génial. Il y a vraiment pas mal de badges. C'est vraiment cool. Allez, tape dedans, là. Merci pour la petite fleur. Est-ce qu'on peut le tuer, lui? Non, on peut pas le tuer. Les musiques sont sympas aussi. Hein. Ah yes, on peut aussi attirer avec le chapeau maintenant comme ça là. Ouais ouais. Attends, il faut le cogner encore deux fois la bulle, encore une fois. Des bonnes petites pièces. Vraiment excellent, Mario. Ah, j'ai pas pu sauter plus haut. Ah, si je prends l'éléphant, peut-être. On peut prendre le chapeau après. Voilà. Bon, on est vraiment pas le plus haut possible, mais on est quand même mieux qu'en bas. Thank you. Thank you. Allez, on va faire celui-là. Roule, roule. Roule, hippo. Difficulté 2 étoiles. Bon. Ah, mais ça, c'était pas prévu, ça. Je sais comment pour redescendre. Je peux pas redescendre là. Non, je peux pas redescendre là. Ah, par contre, j'ai pu mettre une sorte de pancarte où il y a marqué mon pseudo. D'accord, stylé. Ouais, ça par contre, c'est moins stylé par contre. Hein. Le fait de tomber dans le vide. Bon, on recommence, mais là on est tout petit par contre. Ah, deux fois. Ah non, c'est bon. Enfin, j'ai cru que j'allais encore tomber dans le vide. Vrai, j'y pense pas à chaque fois avec le chapeau pour rester dans le ciel, pour planer.
On est parti sur le niveau de bonus. Ouh là là. Par contre, celle-ci, elle est grosse. Hein. Faut récupérer la fleur. 45 secondes. Ah mais... J'arrive pas à la récupérer. C'est bon. Enfin. Pas trop tôt. On a réussi à la récupérer. Ah, j'ai lâché. Fallait pas lâcher. Goodbye. Alors, on a quoi là? Chanson des jetons. Oh, yeah. Ouais, pourquoi pas? Parti. Ramasser 100 pièces pour gagner un level. Oh, stylé, avec des chansons. J'aime la musique. J'aime la musique? Pourquoi pas? J'aurais pu prendre toutes les pièces, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé. Allez, course non-stop. Et je pense qu'on s'arrêtera là sur le dernier niveau, sur la découverte, on n'ira pas plus loin, parce que si on fait un let's play d'ici quelques semaines, on fera le jeu complètement, donc ça sert à rien de faire une grosse découverte sur le jeu. En tout cas, j'attendrai vos retours dans les commentaires. Ah, ça a été un peu trop vite, donc du coup, on fera un autre niveau. Je pensais que ça aurait été plus long. Au final, on fera encore un autre niveau. Pour allonger un peu le... Alors dis donc, tu as récolté pas mal de graines. Ok. Donc, là, ils nous en font 10 et on a 10. Donc là, on s'arrêtera sur ce niveau-là après, là. On va rester là, du coup, on va faire le dernier niveau. Et ici, Rallye Champêtre, ce sera le dernier niveau qu'on va faire sur le jeu, sur Super Mario Bros. Wonder. En tout cas, j'attendrai vos retours dans les commentaires pour savoir déjà si ça vous intéresse un let's play dessus d'ici quelques semaines, quand j'aurai peut-être fini Spider-Man. Puis après, il y a Call of Duty. Donc on verra, peut-être au mois de novembre, ouais, mi-novembre. Mi-novembre, il y aura peut-être moyen de faire un let's play sur Super Mario Bros. Wonder. Tout dépend. S'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, si vous êtes vraiment pas beaucoup, ça sert à rien, je ferai pas de let's play dessus. En tout cas, j'espère que cette découverte vous aura plu. Et ben, du coup, on finit ce niveau-là, puis on s'arrêtera là, puis on repartira, nous, tout simplement, sur le let's play de Spider-Man 2 sur la chaîne YouTube. J'espère qu'en tout cas, vous êtes allé voir la première partie pardon, de Marvel Spider-Man 2, qui est un très très bon jeu, franchement, qui envoie vraiment du lourd. J'aime beaucoup aussi Spider-Man 2, c'est un très très bon jeu. Donc là, on fait la course. Ouais, avec la chenille, hein. Ah, de toute façon, c'est moi qui ai gagné, hein. C'est moi le plus fort, c'est moi Mario. Excellent, franchement. Les niveaux sont très variés, ils sont différents. Il y a de l'animation, c'est très coloré. Ah, franchement, génial. Génial. Des gros, gros jeux, là. Super Mario Bros. Wonder, Spider-Man, vraiment des très, très bons jeux, là, qui sont sortis. Pour le 20. Pour le 20 octobre, hein. Des très très bons jeux. Je peux pas passer là. Ah si, j'aurais pu passer en bas. Ah bah là, je pense que là, on est bien parti là. Là, j'aurais pu peut-être passer en bas, il y avait des étoiles. Ah, des pièces, quoi. Pourquoi je dis des étoiles? Plutôt des pièces. Ok, on a gagné, hein. On a fait 60 secondes, 98. Merci pour la fleur. La graine prodige obtenue. Alors, quand je dis la fleur, bon, c'est comme une fleur, mais c'est plutôt une graine. Voilà, j'espère qu'en tout cas, la découverte vous a plu. On arrive sur la fin, comme je vous ai dit. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de découverte sur la chaîne YouTube, voire de let's play. En tout cas, j'attendrai vos retours. Sur ce, ciao à tous.